Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour l'épisode 7 sur Ghost of Tsushima. Nous continuons l'aventure les amis, on avait fait quoi? Retrouver Ryuzo au cimetière de Kakuzumada. Ok, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, on était allé voir les mercenaires au chapeau de paille. Et donc, on va devoir donc se rendre. Ah, on les a pas encore recrutés. Alors attendez, parce que là, notre. Attendez, c'est ça. Mon vieil ami Ryuzo a rejoint les rangs des chapeaux de paille. Il semble être devenu leur chef. Il a accepté de m'aider à sauver le seigneur Shimura, à condition que je l'aide à récupérer de la nourriture pour ses mercenaires affamés. Ok, d'accord. Donc, on va devoir aller voler des nourritures aux Mongols. Très, très bien. Bon, bah, le temps, évidemment, que nous allions à cette étape. Bien, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager, etc. Les amis, nous avons toujours l'objectif d'atteindre les 200 abonnés avant la fin de l'année. Donc merci à tous celles et ceux qui font toujours le petit geste, qui se montrent présents à regarder les vidéos, à laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire, etc. Ça aide énormément pour la visibilité, pour le référencement, pour que bah, les vidéos et la chaîne soient vues de plus en plus. Et vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si c'est pour faire un petit coucou, pour donner votre avis sur la vidéo, sur les jeux présentés, etc. Je réponds à tout le monde, les amis. Accélère, Sora. Bah, c'est pas là. Wow. Ça doit être là-bas. Ryuzo doit être au cimetière. Combien de temps, Shinzo? Assez pour repérer la force. Elle devrait plus tarder à revenir. Bien. Voilà. Prêt à voler de la nourriture pour nous? Tous là? Juste ceux qui ont encore la force de se battre. Les autres sont trop affamés ou malades. Espérons qu'on pourra prendre le fort. On a plus de chances de voir les cerisiers fleurir en hiver que d'avoir cette nourriture. Il y a toujours une solution. De préférence, une qui ne tue pas la moitié de mes hommes. Ils ont de nombreux hommes, et un signal au sommet de la tour. Ils appellent des renforts postés dans la baie. Nous serons pris au piège, et ils nous mettront en pièces. Trouvez un endroit d'où vous pourrez me voir, quand j'aurai détruit leur signal d'alerte. Attaquez. Ils te tueront. Si c'est le cas, vengez-moi, et prenez leur nourriture. Ça n'a rien de drôle. Surveillez la tour et attendez mon signal. Comme tu voudras. Donc le phare, je suppose que c'est cette tour-là. Ouais, on avait ça, le truc d'écoute. Ah.
Alors, il y en a deux là. Il y en a un là, lui qui se balade. Il y en a un au fond. Il y a un mec dedans, je suppose. On va essayer ça. Enfin, on va essayer de le faire. Non. Oh, je veux des provisions. Voilà. Là, tu peux passer à l'intérieur. Allumer le phare pour donner le signal d'attaque. À toi de jouer, Ryuzo. Alors, la posture de l'eau est efficace contre les ennemis, le bouclier. R2 et rond. Chien. Marchez ennemis, à l'abri.
T'es pas mort, toi? Donc il faut chercher de la nourriture. On va prendre le temps, hein, de regarder. Je pense qu'on a tout vérifié. Là, on va aller prendre la petite fleur. Non, on peut pas te libérer, toi? Ah. Ok, on a tué un cheval pour rien. Ok, ok. Là, on va rien avoir, je suppose. Ok. Il me semble qu'on a pratiquement tout récupéré. Ils ont des provisions sur eux. Ah. Oh. Ouais, donc lui, lui, il a eu mal. Ok, allez, on va aller lui parler. Allons trouver de quoi nourrir tes hommes. Où est la nourriture? Je n'en ai pas trouvé dans la tour. Et de votre côté? Seulement quelques papiers mongols trouvés sur un officier mort. Fais-moi voir. Tu sais lire le mongol? Si c'est en chinois, je peux les déchiffrer. Depuis quand? Depuis que j'ai dû lire Sun Tzu. Il ne s'agissait que d'un dépôt temporaire. Ils ont tout chargé sur des bateaux. Les bateaux se trouvent dans la baie. Nous n'arriverons jamais jusqu'à eux. On est arrivé jusqu'ici. Tu as perdu la tête. Bien, quel est ton plan? Voyons un peu ce qui nous attend. Éviter de faire sonner l'alarme. Les Mongols ont des petits bateaux sur la plage. On pourra en voler un, mais il faut d'abord s'effrayer un passage. Il y a trop de barrières et d'archers. Une attaque de front serait du suicide. Je veux que mes hommes restent éloignés des lignes ennemies. Ok, donc il va falloir trouver un autre moyen. Place des archers sur cette falaise. Ils retiendront l'attention des Mongols pendant qu'on vole un bateau. Une flèche enflammée pourrait déclencher les explosifs. Ça pourrait faire diversion. Mais il faut détourner leur attention de la plage. Écoutez-moi. Ils ignorent qu'on a pris le fort. Ça veut dire qu'ils attendront des renforts qui ne viendront jamais. Occupez-les le temps qu'il faudra pour qu'on leur vole un bateau. Puis repliez-vous dans la forêt. Ma torche vous donnera le signal pour passer à l'attaque. Trouvons comment accéder à la plage. J'avais entendu. On a... Vous pouvez compter sur nous. Regardez te battre tout à l'heure. Tu m'as rappelé le tournoi du seigneur Nagao. Tu as tout osé pour t'imposer. C'était une compétition. Tu t'es bien battu, toi aussi.
Vraiment. Où veux-tu en venir ? Nulle part. Je me remémore notre duel. On en reparlera plus tard. Si nous survivons... Tes hommes doivent être en position. Allume la torche. Maintenant. Je savais qu'ils y arriveraient. Regarde ces flammes. On l'a le bateau, t'inquiète. Il faut agir vite. Prends une rame. Je m'étonne qu'on ne nous ait pas coulés. Tes hommes ont aussi distrait l'équipage. Cherche de la nourriture. J'aimerais que ce duel te hantait à ce point. Maintenant tu le sais. Il n'y a rien. Tu aurais dû me le dire plus tôt. On a pris des chemins différents. Peu importe, c'était il y a longtemps. Pas de nourriture. Tu vois de la nourriture ? Rien ici. Peut-être sur le bateau suivant. Tu as entendu ? Ouais, 4 ou 5 hommes. Pas le choix. Il faut les surprendre. 4 hommes. Hé, pas mal votre bateau. Nous devons nous dépêcher. Wow, wow! Non, mais c'est pas... C'est pas un carillon que je veux. Voilà. J'espère que ta
Salam est aiguisé. D'autres Mongols, tue-les! Ah, j'ai plus de provisions ? Ah non, j'ai plus de... Voilà, j'avais plus de... Comment ils appellent ça ? D'obstination ou un truc comme ça? Cette voiture n'est pas là. Elle est forcément sur l'autre bateau. Cherche ici. Je me charge de l'autre. Sois prudent. Voilà, c'est mieux. Des flèches, des flèches. Pas de provisions encore? Sur ordre du Khan, dépêchez 1000 hommes au nord de la région de Toyotama, maintenez des lignes de ravitaillement à travers la région. Affectation ci-dessous. On dirait des plans de bataille. Faut que je rejoigne Ryuzo. Toujours pas de nourriture. Il y a forcément quelque chose. Hop. Voilà, et merci d'avoir pratiquement déjà tué.
T'étais pas prévu, toi. Il doit être dans le pétrin encore, lui, non? Ah ouais. Je n'abandonne jamais. Allez, comme ça, tu vas m'aider. Bon, bah, il était pas si dur que ça, hein. Tu l'aurais tué, ce Mongol, si tu n'étais pas intervenu. Je sais. Tu as vu comme il était énorme? On sait où est passée notre nourriture. Retourne-toi! Chien, il brûle notre nourriture! Ryuzo, faut partir, tu sais nager. J'ai pas le choix. Saute! Le feu se porte. Mettons-nous à couvert. Ils nous pourchassent toujours. Droit devant, c'est une bonne cachette. J'ai promis à mes hommes de les nourrir, et je m'en reviens les mains vides. On trouvera une autre solution. Et d'ici là, combien vont déserter? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous aider. Des plans de bataille mongols. Les routes d'approvisionnement y figurent? Il y a une carte sur l'une des pages. C'est un début. Donne-moi cette carte. Si nous agissons, c'est ensemble. Tu as tes propres problèmes à régler. Et c'est moi, leur chef. J'en ai besoin, Jin. Et j'ai besoin de toi au château de Kaneda. Compte sur moi. Tâchez de les prendre par surprise. À ta manière. Au milieu des loups, petit trophée. Le récit de Ryuzo, terminé. Nous avons recruté les chapeaux de paille. Et nous avons un point de compétence supplémentaire. Je dois trouver d'autres alliés. Ouais. On va s'en sortir. Mais avant ça, oui, donc on doit sauver le frère forgeron de Yuna, mais avant ça, moi j'ai bien envie d'aller faire ces petits trucs là. Charme de furtivité mineure. On a des charmes à gagner. On va faire celui-là. Non. Allons-y, sort. Non, perdons pas trop de temps non plus à faire des petits trucs qui ne sont pas obligatoires.
Allez, on coupe à travers champ. Et si on a le temps, on ira faire cette petite quête secondaire. Pour le seigneur Jinroku. Mais vous êtes un autre samouraï. Bienvenue, mon seigneur. Un autre samouraï? Vous ne connaissez pas le seigneur Jinroku? C'est un samouraï légendaire. J'aimerais le rencontrer. Quand reviendra-t-il? Bientôt. Joignez-vous à nous pour le dîner. Il vous racontera un de ses prodigieux exploits. Ne vous inquiétez pas, je suis indemne. Ah, je n'attendais pas de visiteurs, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. J'ignorais qu'un autre samouraï avait survécu. Ce fut une bataille terrible, n'est-ce pas? Ce jour-là, les plages de Komatsu ont viré rouge sang. Quelle horreur! Nous nous sommes battus à Komoda. Ah, oui, bien sûr. Pardonnez-moi, mon voyage m'a épuisé. Si cela vous convient, un abbé va vous montrer le bain. Nous discuterons en dînant. Veuillez me suivre, monseigneur. Moi, enfin, en fait, lui... Vous le sentez au combien de maisons, je pense, les amis comme moi. C'est un imposteur, évidemment. Qui va essayer de... Peut-être de nous tuer. Hein, qui se fait passer pour... Seigneur Jinroku ? Il nous raconte absolument tout. S'il n'avait pas été là, toute l'île aurait été perdue. Quand vous l'avez rencontré, était-il armé ? Il a tout donné pour sauver Tsushima, à l'exception de son cheval. Il est à l'écurie. Mon bain attendra. Je souhaite voir son cheval. Inspecter les écuries. Standard, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Un cheval de ferme, pas un cheval de guerre. Ah, c'est pas fini, faut encore inspecter. Je reconnais cette selle. Elle appartenait au seigneur Iguchi. Jinroku n'est pas un samouraï. Je lui ferai avouer la vérité. Bah, allons le confronter, cet imposteur. Où est Jinroku? Il est parti peu après votre départ. J'imagine que c'était important. Je le trouverai. Alors c'est bien, ça me dit de le traquer. Mmh.
Moi je veux bien, mais faut retourner en direction des écuries. Non, retourner dans la zone de recherche. Nous devons parler. Pas la peine de courir, imbécile! Arrête! Il n'est jamais trop tard! Bah allez, suis-le! Je ne veux pas vous tuer! Arrêtez! Je ne faisais de mal à personne! Je vous défie en duel! Vous voulez m'affronter? Oui, c'est ma seule chance. Si c'est ce que vous voulez, j'accepte. Duel à l'Hansen de Kashin. Je me rends. Je suis désolé. D'accord. Dites-moi qui vous êtes vraiment. Je ne suis personne. J'essayais juste de survivre. Vous usurpez l'identité d'un samouraï et vous bafouez son nom. Et vous abusez de la confiance de ses femmes. Je sais. Je vous en supplie, monseigneur. Épargnez-moi. Je n'y remettrai jamais les pieds. Partez. Et si je vous revois un jour avec cette armure, nous irons au bout de notre duel. Je ne faisais de mal à personne! Imbécile. Je dois la vérité à ces femmes. Ok, donc on doit retourner au... Le truc là. Ouais, retourner à la ferme. Avons-nous le choix? Hâtez-vous! Si ça ne doit t'acheter, samouraï. Ah! Ah!
C'est fini, tout ira bien. La rumeur disait que vous et le seigneur Shimura aviez survécu. Heureux que ce soit vrai. Oui, 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 bon, c'est cool. Seigneur Sakai, ravi de vous revoir. Jinroku n'est pas l'homme que vous croyez. Il n'a rien d'un samouraï. Ah, il vous a dit la vérité. Vous saviez qu'il mentait ? Il n'était pas méchant, et sa compagnie nous était agréable. J'espère que vous ne l'avez pas tué. Il est vivant. Mais il ne reviendra pas. Je dirai aux autres qu'il a dû partir en mission. On s'en sortait bien sans lui, et ça continuera ainsi. Très bien, par-delà l'honneur. Histoire terminée. Voilà, ça permet également de gagner quelques petits points de compétence. Charme de furtivité. Réduit la vitesse de détection de l'ennemi de 10%. Ok. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire pour le référencement. Abonnez à la chaîne. Abonnez-vous, pardon, à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.